Hey hey! Salut à toi, salut à toi, et bienvenue pour ce premier épisode de Rock Justice joue à Flint Hook! Ah, je suis bien content de lancer ce let's play. Je pense que vous avez vu l'épisode de Rogue Light où je vous ai présenté Flint Hook, c'était il n'y a pas deux jours, donc si vous n'avez pas vu ça, n'hésitez pas à y aller. Et on est parti, hein, je vais vous reparler un petit peu du jeu. Du coup, là, je vous ai laissé l'intro et elle est quand même vachement bien faite, hein, maintenant que je connais un petit peu le jeu, on va partir sur une nouvelle partie. Elle est quand même vachement bien faite parce qu'en quelques écrans, ils t'ont raconté toute l'histoire du jeu, c'est assez fou. Toute l'histoire et le fonctionnement du jeu d'ailleurs avec le système des pierres spectrales, avec Goulu, avec tout, juste en quelques vignettes d'intro, ils t'ont tout expliqué. À la limite, il n'y aurait pas besoin du tuto, mais on va partir pour faire le tuto parce qu'il y a un petit peu d'éléments d'histoire dans le tuto. Donc Flint Hook, je rappelle, un jeu de plateforme, surtout plateforme finalement. Hein. Hop, et avec surtout ce petit grappin merveilleux que je viens de récupérer là dans mon phare, qui sert un petit peu de base à notre capitaine Flint Hook. Dont on sait pas d'ailleurs, hein, vu la petite vignette d'intro, est-ce que vraiment le capitaine Flint Hook c'est le petit personnage humain, ou est-ce que c'est le petit sac blanc qu'il a sur la tête là? On sait pas trop. Et lui c'est qui? Eh ben on sait pas. Il y a mon slip qui est en train de sécher en haut, je sais pas si vous avez vu. Donc je rappelle que Flint Hook c'est sorti le 18 avril sur Xbox One, PS4 et... Steam, donc Windows. Je crois pas que ce soit dispo sur Mac et Linux, mais j'ai un doute. Pour ceux qui auraient un doute, c'est excellent à jouer. C'est vraiment trop cool. Et je suis bien content de lancer ce let's play dessus. Hop, on récupère notre chrono ceinture. Hop là. Et encore une fois, le genre de tuto hein, qui en quelques écrans t'a donné tous les outils pour jouer au jeu. Et ça, c'est vraiment bien joué. Hop, petit à petit, on introduit un tout petit peu plus de difficulté, mais c'est vraiment pas dur. Hein. Une arme secondaire. Boum, diablement efficace cette petite bombe. Hop, le système. Des petites bubules avec la cloche qui change les blocs verts. Oui, j'ai peut-être été un peu vite là. Donc oui, la cloche, hein, ça change... L'agencement de la salle, les blocs verts avec une petite cloche dessus apparaissent. Tels des interrupteurs dans Mario. Je crois que ces ennemis-là ne bougent pas d'ailleurs, hein, les petits fantômes là. Enfin, je sais pas si c'est des fantômes, mais des espèces de petits pirates. Il y en a de plusieurs sortes comme ça. Il y en a un orange, il y en a avec deux petits crochets. Mais qui c'est celui-là? Est-ce que c'est le mec qui avait sur le portrait là-bas, sur qui on était sur les genoux? Il nous laisse un trésor et il s'en va. Mais qui est-ce donc? Ben je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Tout ce que je sais, c'est qu'on récupère notre Goulu, un compas gluant fiable, tout à fait, à qui on donne les pierres spectrales et qui nous guide vers notre butin. Et on chope notre premier coffre avec... Bim! Le drapeau de Billy Belœil. Ah ouais, je le connais maintenant. Et on est parti à l'aventure. Wouhou! Mais toi, quand même, t'es un petit peu louche. Hein. T'es un petit peu louche. C'est lui qui nous met sur la route de Billy Belœil. Pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, on est parti. Bim! En chasse de Billy Belœil. On va essayer de se faire la première quête dans cet épisode. J'espère que je vais y arriver. Je vais pas me planter lamentablement, mais on n'est pas à l'abri d'un fail lamentable. Oui, le système d'atouche, on en a parlé dans l'épisode de Rogue Light. C'est ce qui permet de personnaliser un petit peu son personnage. Qu'est-ce que je vais prendre? Plus de PV. Une petite pomme au début de chaque vaisseau. C'est pas très utile, ça. Peut-être juste la précision et l'XP, et ce sera très bien. Ce sera très bien comme ça. Bim, on est parti, vas-y! Alors, nous avons le choix à chaque fois entre trois vaisseaux. Et il faudra récupérer. Enfin, il faudra partir à l'abordage de trois vaisseaux au total pour récupérer trois pierres spectrales et trouver la trace de Billy Belœil. Abondance de bouffe. Trésor, eh ben écoute, trésor. Trésoria, ça me semble bien ça. À l'abordage! Oui,
Oui, j'espère que je vais pas trop vite pour ceux qui n'ont pas regardé l'épisode de Roguelite, mais j'avais pas envie de refaire tout un tas d'explications et de perdre du temps, j'avais envie qu'on se lance direct dans l'action. Hop là, nickel. Ce grappin est d'une facilité à manier, c'est assez déconcertant. C'est vraiment très sympa à jouer. Ah mon dieu, j'arrive pas à viser. Ça par contre, j'ai un peu du mal encore. C'est avec le flingue de... Mais du coup, j'aurais pu faire ça, voilà. Utiliser ma chrono-ceinture. Tout à fait. En plus, c'est diablement cool. Ah, merde. Je vais pas tirer assez vite. Hop là. Je pensais réussir à le défoncer avant qu'il me tire dessus, mais c'était raté. C'est pas grave, on récupère quelques pommes, je suis à fond de vie, je récupère une bombe et ça c'est cool, on récupère de la thune, je crois que la thune c'est vraiment juste pour le score. Mais le score c'est très très important. Alors attends, comment je vais passer là? Comme ça. Oh putain, il y a des pics aussi. Ah mon dieu. Ouais, je suis pas prêt de me faire tout un niveau sans me faire toucher. Ça, je pense que j'ai pas besoin de le dire. Pourtant c'est pas compliqué, hein. Suffit de bien lire les pièges du niveau et ça se passe bien, mais... Encore faut-il prendre le temps de le faire, là je me lance un petit peu comme un petit fou. Oh mon dieu, il y en a plein! J'étais vraiment pas au bon endroit là. Pile à la croisée des ennemis, j'y retourne en plus comme un con. Donc les petits ennemis avec des bubules, faut leur mettre un coup de grappin pour leur péter leurs petites bubules. Ce qui me fait souvent faire des petites erreurs parce que je m'accroche bêtement au crochet qui est à côté parce que je vise pas assez bien. Et oui, vous le savez, la visée c'est un de mes gros points faibles, ça et les murs. Mais bon, c'est pas grave, ça s'est pas si mal passé que ça. On va continuer d'avancer. Une autre salle avec du combat, ok, attention. Là c'est eux qui bougent pas, tu vois. Et lui non plus. Alors je suppose qu'ils font quand même des dégâts de contact. Boing. Nice. Hop là. Boing, boing, boing. Et alors là, faut pas que j'utilise ma ceinture pour ralentir le temps, sinon ça enlèvera la petite plateforme. Enfin, je peux le faire. Regarde, hop. Voilà. Mais pas au moment où je vais rebondir dessus, si possible, sinon je vais lamentablement me viander dans le gaz empoisonné en dessous. Alors ça me tue pas en un coup, je crois, hein. Ça me fait juste perdre 10 PV. Mais on va essayer d'éviter, tant qu'à faire. Alors, on revient sur cette petite mécanique des cloches. Et alors là, quand vous voyez comme ça des sabliers en fond, hein, ça veut dire que c'est pas la peine de chercher la cloche qui va vous permettre de changer l'agencement de la salle. Là, ça se fait tout seul. Hein. À un rythme bien régulier. Alors les ennemis verts, merde, sont des ennemis, je crois que le jeu appelait ça des revenants. C'est des versions un peu boostées des ennemis de base, du coup ils ont des attaques supplémentaires. Et là, du coup, cette petite salle faisait office de mini-boss, comme en témoigne le petit crâne qui apparaît sur la carte. Hop, on est parti à l'assaut. Et on a trouvé la fin du niveau. Est-ce qu'on se casse tout de suite? Mais vas-y, on se casse tout de suite, ouais. Allez, hop. Pète-moi cette coquille cosmique. Donne la pierre spectrale à Goulu. Miam. Et on est parti, hein. Allez Maurice, viens me chercher, on y va. Ouais, Maurice, c'est le nom de mon vaisseau. J'ai décidé, c'est comme ça. On l'appellera comme ça pour tout le let's play. Et évidemment, le vaisseau qu'on a pillé explose derrière nous, sinon ce serait pas grave la classe. Oula, il y a trois gros vaisseaux. Bazar, Megaball. C'est quoi Megaball? J'ai jamais eu ce modificateur-là. Multibranche, alors ça je suppose que ça va être un niveau un petit peu labyrinthique, ça va être chiant. Et Trésoria sur un Titanorc, un gros vaisseau. Je testerai bien les mégaballes juste pour voir. Allez hop! Vous voyez, hein. Deuxième raid que je dois faire. J'ai le choix encore entre trois vaisseaux, de tailles éventuellement différentes et avec des événements qui étaient écrits en bas, Trésoria, mégaballes, etc., etc. Youhou! À l'assaut! Et encore une fois, j'avais bien insisté là-dessus dans la vidéo de présentation, mais... Tout ça s'enchaîne avec une fluidité, c'est vraiment très 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 sympa à jouer quoi. Il n'y a pas vraiment de temps mort dans Flint Hook. Et ça, c'est cool. Ah oui, alors par contre, faut que je fasse gaffe, j'ai pas... Ah, mais c'est les ennemis qui ont des mégaballes, c'est pas cool, je pensais que ce serait moi qui aurais des mégaballes. Zut. Oui, faut que je fasse gaffe, j'ai pas récupéré les petites bottes qui me permettent de me bloquer sur place encore. Si
si j'essaye de viser dans une direction, je vais forcément me déplacer dans cette direction. Ok, pour l'instant, ça va. Ok, il reste une petite chauve-souris là-haut. Enfin, j'appelle ça une chauve-souris, mais... Je sais pas trop ce que c'est, hein. Chauve-souris... Cyclope. Et on a rechopé une bombe. Pour l'instant, j'ai pas utilisé ma bombe. On saura qu'elle est là. Ah, un vendeur. Alors, l'air fier. Je suppose que ça, ça me donne juste plus de PV max. Un tonique qui coûte 720. C'est un peu cher, monsieur. Et un coup corsé pour 270. Je sais pas ce que c'est, je le prends. Mais plus de force dans votre pistolet laser et augmente la puissance de vos coups critiques. Oh, cool. Je vais essayer de parler un petit peu au personnage. Je l'ai pas trop fait encore. Bonjour monsieur. Monsieur le crabe. T'as qu'une seule main de crabe. Ah non, pardon. Ça c'est le truc du coussin. Oui, non, c'est monsieur le crabe qui fume la chicha avec un turban sur la tête. Je voyage dans tous les vaisseaux pour vendre des trucs. Quelle générosité de ma part. Oui, 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 bien sûr. C'est très généreux de me piquer toute ma thune. Tu pourrais m'aider. Moi qui essaye de... De faire quoi en fait? On sait pas trop, hein. On est là pour tuer des pirates de l'espace, mais si ça se trouve, ils sont pas si méchants que ça. Va savoir. Ils ont pas l'air si vilains en fait, hein. Ils vivent leur vie. Oula. Ok. Une grosse mouche. Oula, toi t'as une bibule. Poc. Poc. Ok, nickel. Aïe. Ouais, c'est une petite meuf pirate qui lance trois couteaux. Ah, il y a un ennemi en haut qui fait des bubules. Ah oui, c'est ça. Il fait des bubules sur les autres ennemis qui sont indestructibles. Pas cool. Wouhou! Le coup sur le petit crochet, c'était la classe. Et voilà, et on tue l'ennemi, ça pète les bubules des autres. Ok. Eh bah, ça s'est pas si mal passé. Et on récupère nos PV en plus. Hop. Hop là, merde. C'est bien la peine de faire une esquive de ouf tout à l'heure pour te rater quand il n'y a plus d'ennemis, quoi. Ah là 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 là. Alors vous voyez, hein, il y a des pièges de bien des sortes dans ces vaisseaux de pirates. Il y a de la scie à la Super Meat Boy, il y a du laser, il y a plein de trucs pour te pourrir la vie. Néanmoins, bien souvent dans les salles comme ça avec beaucoup de pièges, il y a un gros trésor à la clé. Et ça, c'est cool. On n'oublie pas de péter les éléments du décor parce que ça donne de l'argent. Et moi j'aime l'argent. Encore un slip en train de sécher. Mmh, d'accord. Normal. Hop. Hop, je passerai pas là. Wouah, petit ralenti pour cette action de ouf. Non, pas du tout. C'était pas du tout un truc de ouf ça. Bien. Ah oui, alors eux je peux pas les tuer. Faut que je me casse d'ici. Merde, y a pas de porte. Je suis con. Yes, trop la classe. Et mais je t'ai déjà vu toi. Ne va pas au marché noir, trop de compétition, ne va pas y acheter les habilités spéciales non plus. Bah si si, j'irai. J'irai parce que c'est très intéressant le marché noir. Mais on peut y aller que entre les parties. Alors, prix du pirate. Ah, ça réduit les prix des autres trucs. Bah écoute, ça je vais le prendre tout de suite. Voilà, des rabais spéciaux pour vous dans les magasins Vaillant Pirate. Et le rebondo. Je prends tout. Vos balles de pistolet laser deviennent des balles rebondissantes de malheur pour vos ennemis. Trop cool. Et je me posais la question dans l'épisode... Enfin, non, pas dans l'épisode d'ailleurs, dans la vidéo de présentation, c'est est-ce que ces atouts s'appliquaient immédiatement? Et ben c'est le cas. Et la question c'est est-ce que je les débloque pour des parties futures? Wouh, mon dieu. Ou est-ce que c'est uniquement pour la partie en cours, auquel cas c'est quand même un peu cher payé? Eh bien je ne sais pas. Oh, je l'ai réussi deux fois d'affilée, c'était classe. Hop, on chope toute la thune. Et on va par là par exemple. De toute façon, là j'ai le choix entre trois endroits. Là il y a une autre salle après. Voyons voir ce qu'il y a en dessous. Encore toi? Mais. Mais. Ah, c'est le modificateur bazar peut-être qui fait qu'il y a des tonnes et des tonnes de magasins. Ok, bon bah j'ai plus de thunes du coup, j'ai tout acheté avant. Hein. Nice! Enfin, pardon. Nice!
Une petite piécette là-bas, et hop, on passe à gauche. Oula, ouais, il y a un coffre au bout. Go, go, go. Oh, 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 oh mon dieu, il est fou, mais il est fou, il y va comme un fou. J'aurais pu utiliser mon grappin, tu me diras, ça aurait peut-être été plus malin. Le gobelet des puissants. Oui, qu'est-ce donc? C'est une relique. Ok, je crois que les reliques, c'est vraiment juste pour la frime. Hein. C'est un peu à la fois le système de succès du jeu et un système de d'objets à collectionner qui n'apporte pas tellement de bonus de ce que j'en ai vu. Il y a aussi un système d'objets qu'on récupère et qui donne des bonus passifs, mais ça c'est dans le marché noir. Hop là, et après il y a le système des atouts, mais ça on en reparlera dans l'épisode 2 parce que je vais en débloquer plein, je pense, surtout si j'arrive à finir direct la première mission, ce qui est pas gagné. Hein. On y va! Yes! Trop la classe. Attends, t'es mal placé. Comme ça tu passes! Oui! Ah là là, c'est trop cool ce grappin. Alors récupère la thune, ce sera fait. Et toi, t'es le copain de... le cousin de Big Will, c'est ça? Big Will qui est le petit copain de Billy Belloy. Attends, récupère la thune quand même. L'argent disparaît assez vite, hein. Faut vraiment pas perdre de temps pour aller le ramasser. Oh! On essaie de le faire en perfect, ce serait la classe. Il accélère, le con. Ah, j'ai pas la portée suffisante. Yes! Alors je sais pas si on a des récompenses supplémentaires quand on se fait pas toucher. Apparemment pas trop. Hein. Ça doit être un atout ça. Un truc qui permet de récupérer plus de thunes quand on se fait pas toucher, je crois. Et on a trouvé notre coquille et donc notre deuxième pierre spectrale. Boum! Allez Goulu, bouffe-moi ça et on passe à la troisième... c'est pas la troisième mission, au troisième vaisseau à piller et à s'aborder. Ou à aborder plutôt. S'aborder, c'est ce qu'on fait là, c'est-à-dire on se casse et on le fait exploser. Zut, j'ai pas le temps de dire le petit truc là. Alors, pour notre troisième niveau, nous avons bataillon à bord, arène fatale et piège laser. Ouais, ça me dit moyen ça. Peloton à bord, cabinet d'astuces et abondance de bouffe. Avec 5 salles de combat, alors que dans celui-là, il y en a que 2. Écoute, pourquoi pas, vas-y. Les combats, finalement, ça me fait peut-être un tout petit peu moins peur que les salles de piège, parce que les salles de piège, il y en a vraiment où... il y a eu des parties, en tout cas, où... bon, certes, c'était mes premières parties sur le jeu, hein, mais où j'arrivais pas à les passer, quoi. Mais je maîtrisais pas encore bien le grappin. Je le maîtrise toujours pas, mais bon. C'est vraiment le genre de jeu où c'est très facile à prendre en main, mais je pense difficile à... oh, mon dieu, à complètement maîtriser. Ah merde, ça passe pas. Escape! Nice. Attends, les espèces de petits ananas là, on va les laisser tranquilles. Je sais pas ce que c'est ces trucs, on va appeler ça des ananas. Hein. Les ananas de l'espace! Ouais, tout à fait. Hop. Dis donc, y'a pas un petit peu trop de mecs dans cette salle? Merde. C'est vrai que j'ai des tirs rebondissants. Tiens, tout à l'heure quand il y avait les trois... merde. Quand il y avait les trois qui étaient côte-côte, là j'aurais pu utiliser ma bombe, hein. Ça aurait été un bon moyen de les défoncer tout de suite, mais j'ai pas pensé. Bon, pas grave, on se chope deux pommes, on est à 80 PV, ça va, ça va, ça va. Go. Merde. C'était pile ce qu'il fallait pas faire, ça. Quel con. Voilà. Bon, heureusement, on chope plein de pommes. Ok. Ouais, mais pour remonter, là, il faut que j'utilise le grappin absolument, sinon je vais me faire baiser encore. Ah! Ok. Prêt. Merde! 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 Ça va pas du tout! Oh mon dieu! Oui, il a réussi. Oh putain. J'ai fait pile ce qu'il fallait pas faire.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Les salles avec les pièges, il y a vraiment moyen de te faire enchaîner. Si t'arrives pas tout de suite à lire et à trouver ce qu'il faut faire, tu te fais toucher 2-3 fois d'affilée comme ça. Bon là, j'ai été un peu con aussi. Hein. J'ai vraiment mal joué, mais bon. C'est pas grave. T'es qui, toi? Les vrais pirates savent utiliser le ralenti souvent. Ça recharge vite. Vite, pitoute. D'accord. C'est vrai que j'utilise peut-être pas assez mon ralenti. Ok, toi tu es le mec au coin du feu. Ok, tu es quoi, une patate de l'espace? Je ne sais pas ce que c'est pas grave. Merci du conseil, j'essaierai de l'utiliser plus souvent mon ralenti, c'est vrai que j'utilise pas assez. Encore un magasin. Putain, mais j'ai plein de thunes. Je vais peut-être acheter ça parce que je me suis fait défoncer. Un gigot spatial, miam miam, ça me donne 25 PV. Des fulguro-balles, rien que le nombre donne envie. Donnez plus de vitesse à votre pistolet laser. Ça tire plus vite, hein. Ah, mais c'est drôle, le rebond d'eau, là, les balles rebondissantes, parce que ça fait que mes balles sont un peu soumises à la gravité. C'est assez rigolo. Hop, un peu de thune en plus. Et ça, on l'achète ou pas? Non, mais on l'a déjà, ça. Hop, on se casse. Et l'espèce de patate, elle est sur la carte, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose à lui faire, je sais pas. Oula. Oups. J'espérais le défoncer en descendant, mais j'ai lamentablement raté mon coup. Go. Ok. On descend. Oh putain, c'est quoi ces ennemis? Mais c'est l'enfer cette salle, mon dieu! Moi, thune, j'ai raté toute la thune. Ah putain, ils explosent en plus quand tu les butes, ok. Eh bien dis donc, je suis vraiment dans la merde, j'ai plus que 25 PV. Faut dire que là je suis tombé sur des ennemis que je connaissais pas, c'était pas de bol. Ok. Oh putain. Eux je les connais, ils explosent. Faut vraiment pas rester à côté. Tiens, prends une... Bon, ce chien n'est pas mort. C'est un chien, hein. Ouais, c'est ça, c'est un chien qui vole. Je sais pas trop ce que c'est. Comment on le tue, toi? Hein? Ah, ok, c'est un chien qui fait tourner très très vite. Oula! Il y a que des ennemis que je connais pas, mon dieu! C'est à la fois très excitant et à la fois très effrayant. Très malin ce petit chien là, avec le truc qui tourne très vite et du coup faut ralentir le temps pour le toucher. Oh putain! Ne te fais pas toucher, t'as pris beaucoup de PV, ok. Allez, donne-moi des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, il y en a au moins deux. Ok, cool. Eh bah prends la bombe, t'en as plus. Hop! Bon, c'était un peu décevant là, la bombe qui n'a pas tué le chien, mais écoute, c'est comme ça. Oup, 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 oup. Je vais être gourmand, je vais essayer de traverser ça et je vais me foirer, hein. Ouais, je le sens bien comme ça, on va faire comme ça, ce sera plus simple. Voilà, hein, on prend pas de risque. Ok. Ah ouais, carrément des missiles, quoi. Bon bah on ira ici après, hein. On va aller explorer ce qu'il y a en bas. Je la sens pas cette salle. Et c'est sûr que c'est là-bas qu'est la fin du niveau, je vais devoir la traverser. Des pommes? Oui, des petites pommes, des bonnes petites pommes, merci beaucoup. Bien. Bon, bah c'est parti pour la salle des missiles de la mort, alors. On va essayer de partir tout de suite, comme ça il n'y a pas de missiles. Yes. Oh, putain. Ah, putain, l'explosion m'a touché. Quelle vulgarité! Faut que j'essaie d'être moins vulgaire. Oui. Ah, c'est des pics. Oups. Oula. Oh, ça sent la mort, ça. Ça doit être... ouais, c'est une salle de... avec que des pièges à la con, où il faut bien maîtriser le grappin. Ça sent le truc où je vais me faire toucher, je vais rebondir sur les pics, je vais crever lamentablement. Tu le sens ou pas? Je vais le tenter, hein, mais je devrais pas... Ouais! Je suis arrivé en bas. Mais maintenant, faut remonter. Ah là là. Oh, je le sens pas. Je le sens grave pas du tout. Ah ouais. Ah ouais, je le sens pas. Bon. Oh là là, comment je vais faire?
Ah putain. Oh mon dieu, je maîtrise pas du tout assez bien le grappin pour remonter. Oh putain. Comment je vais faire ça? Aïe. Oh putain. C'est un peu comme ça qu'il faut faire, j'ai l'impression. Ouais! J'ai le rythme! Oh putain! Non! Ok. Ce nom qui venait du fond du... cœur! Chope-le! Oui! Ouf! Oh putain, c'était chaud! Les pics! Mon dieu, j'ai 15 PV. J'ai 15 PV, mon dieu, il y a un boss. Et il y a des missiles! Mais tout va mal! Ok, ce boss est pas compliqué. S'il n'y avait pas les missiles. Pète le missile, grimpe, tue-le. Voilà, ok. Suffit d'être concentré, de bien lire l'attaque des ennemis et tout se passerait bien. Eh, les missiles, c'est fini maintenant. C'est bon, tout le monde est mort. Des petites pommes. 45 PV. Et on va arriver au boss. Heureusement qu'avant le boss, il y a des trucs pour récupérer un peu de points de vie. Hein. Allez, troisième pierre spectrale. Je suis quand même super fier de m'être sorti de cette salle de piège là avec le trésor. C'est une grande fierté. Même si finalement, c'était vraiment pas si compliqué que ça. Allez, à l'assaut de Billy Belle-Oeil. Maurice, on y va! Et comme d'habitude, on laisse derrière nous que la mort et la destruction. Est-ce que c'est vraiment nous le gentil dans cette histoire? Allez, le porte-étendard des cornes dures, on y va. Du coup, on va pas être à fond de points de vie. Hein. On a 90, ça. Ah, mais Big Wool, il a aussi un... Billy Belle-Oeil, il donne aussi un petit gigot à Big Wool, donc on va être à fond. Faudrait même que j'essaye de pas le récupérer tout de suite, son petit gigot, là. Allez, Billy, ton heure est venue! Vengeance! À la niche, Big Wool. Reste à la niche, reste couché, mec. Ah, il veut pas rester couché, lui. Merde, j'ai pris mon gigot tout de suite. Qu'est-ce que tu venais de dire? Bon, tant pis. Attention à l'œuf qui va éclore, voilà. On va péter tous les petits tonneaux en bas. Ouais, c'est bon, c'est fait. Voilà, on n'hésite pas à ralentir le temps. Oh, putain! Attends. Fais gaffe. Ça suffit, mec! Ah, ça les touche pas. Quack. Ok. Hop, on va lui péter sa petite bulle tant qu'il est à portée. Et... Ok! Ok. Oh putain, je suis mal placé. Si, c'est bon. Ça passe. Ma thune. Nice. Oup. C'est bon. Tout est sous contrôle, mon dieu. Ouh, là, je l'ai bien défoncé. Ok. De temps en temps, je les one-shot, ça doit être des coups critiques. Hein. Sinon, je ne vois pas pourquoi. Parfois, je les... one-shotterai et des fois non. Ah putain, je me suis pris cette grenade. Quoique, peut-être pas. Peut-être pas, il y a un petit flash à l'écran et un petit tremblement d'écran à chaque fois que ça pète, même si je me fais pas toucher. Je suis toujours à 90, donc non, j'ai pas dû me faire toucher. On chope la thune. Parce que j'aime l'argent. Yes! Il doit y avoir moyen de le défoncer, ce boss, en utilisant bien le grappin. Hein. Ce que je fais pas du tout. Passe au-dessus. Ah merde. Merde. Tiens.
ça va pas assez haut, l'échec. Mon dieu. Ok. Poup. Poup. On peut utiliser aussi vers le bas si je veux me propulser plus vite vers le bas, ce qui peut être assez utile. Merde, j'ai raté mon coup de grappin. Allez, 60 PV quand même, je vais m'en sortir. Attends, j'espère, sinon c'est là mon champ. Raté. Tiens! Concentration extrême. Oh! Enfoiré de Billy Belay. Ah, je l'ai raté! Bon, de toute façon, ouais, c'est bon. Faut attendre qu'il remette sa petite lanterne. Enfin, sa petite ampoule plutôt. Oup! Oup! Les esquives de ouf! Ah, oh, j'ai pas réussi! Yes! Victoire! Oh, pauvre Bigoule, quoi. Oh, il est tout triste! Oh, il est tout triste! Victoire! Dansons sur le cadavre de notre ennemi. Oh. Bon, bah on se casse. Hein. Oh la tête de Flint Hook. Oh non! Il a volé notre ami. Enfin, je suppose que c'est notre ami. On pète bien consciencieusement tout le mobilier, hein, c'est très important. Et on a chopé plein de thunes. Et surtout, on chope le drapeau de notre prochaine cible, qui est... Plume d'or. Eh ben écoute, pour un premier épisode, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Salut Billy. Et ce vaisseau-là, il explose pas. Du coup, je pense qu'on va gagner plein de niveaux d'XP dès la première partie, et ça, c'est bien joué. Hop! Plein de paquets de cartes, vas-y, donne tout! On est niveau 5, ok, on a débloqué les trucs au marché noir. Ouais, vas-y, donne tout! Waouh! Et du coup, comme on a aussi abattu notre cible, le marchand du marché noir nous propose d'autres trucs. Et ça, c'est cool. Oh, j'ai battu mon meilleur score. Combien je suis classé maintenant? C'est très important. 171. Merde, il y a plus de gens qui jouent au jeu. Ah, et 107ème pour le temps. Ça, c'est mauvais. Mais bon, c'est logique. Hein. Plus il y a de gens qui vont jouer, plus il y a de gens qui seront meilleurs que moi. Faut dire que je vais pas essayer de faire ni du scoring, ni du speedrun. Hein. Puisque pour le speedrun, il y a plein de salles où il y a des ennemis que j'aurais pu zapper vite. Et pour le scoring, je pense qu'il faut juste pas se faire toucher et garder un combo très élevé, hein. Je crois que c'est tout. Je vois quand même qu'il y a un bonus pour le nombre de pièces explorées, un bonus pour le nombre de reliques récoltées, de malédictions aussi, je sais pas ce que c'est les malédictions. Pour les dégâts reçus, t'as une pénalité. Et pour les raids... Ouais, les raids, de toute façon, c'est fixe, j'en fais forcément 4, non? Là, je vois pas l'impact sur le score, du coup. Bon, bref, hop! Boum, on a débloqué plein de trucs. Alors les reliques, comme je disais, hein, c'est juste pour la frame. Ah, donc il y a un système de succès. C'est rangé dans la classe succès. Et il y a un système de reliques juste à récupérer qui sont cachées dans le jeu. Ok. Ça joue sur les deux tableaux. Alors, qu'est-ce qu'on a acheté au marché noir? Donc les achats ici sont permanents, faisant de vous un redoutable pirate. Et du coup... Pour ma première visite, je chope les fameuses bottes qui me permettent de rester sur place et de viser sans bouger. Ça, plus d'or quand je sors des batailles indemnes, pourquoi pas. Plus d'or quand je vais vite. Le globo glace, plus de points d'atout. Plus d'XP. Vous n'avez pas besoin de vous raser, mais ça vous donne plus d'XP. Et Zalter, l'exercice, ça donne plus d'XP aussi. Donc ça, c'est que des bonus d'XP, en fait. Ouais. Plus de PV, je pense pas en avoir besoin, et ça, c'est pour avoir une version plus balèze de Billy Belle-Oeil.
Dans quoi je mets mes points? J'en ai 8. Je prendrais bien plus de points d'atout et... Je suis pas sûr de bien réussir encore à faire beaucoup de raids sans me faire toucher, mais bon. On va prendre ça. Allez hop. Ça m'encouragera à essayer au moins. On va prendre ça et avec 1 je peux rien acheter je crois. Non. Ok. Eh ben écoute, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à toi d'avoir regardé ce premier épisode de Rock Justice joue à Flint Hook. J'espère que ça te plaît, moi je m'éclate bien sur ce jeu. Et je vous dis à la semaine prochaine, ce sera publié tous les jeudis ces vidéos, pour la suite de nos aventures. D'ici là les justiciers, portez-vous bien. Ciao ciao.